Bonjour à tous, je m'appelle Wang Tang Boum. Bon, je ne suis pas là pour les présentations, je suis là pour une affaire très très sérieuse. Depuis un bout de temps, les Burkinabés de la diaspora, plus précisément les Burkinabés des États-Unis, en tête l'association des Burkinabés de Houston. Ils ont décidé de venir en aide à la maternité de l'hôpital Yalagado. Donc, depuis plus de 3-4 semaines, ils ont lancé une récolte de fonds online sur GoFundMe pour récolter des fonds afin d'aider la maternité de l'hôpital Yalagado. Quand vous arrivez à la maternité, vous voyez nos mamans, nos soeurs, nos cousines qui sont dans des conditions déplorables. Elles sont en train de donner des vies. Elles souffrent dans des conditions déplorables. Voilà pourquoi on dit une seule main ne peut pas ramasser la farine. C'est ensemble qu'on pourra arriver à quelque chose. C'est clair que beaucoup de gens pensent à ce genre de trucs. Aider, comment aider? Parce que quand tu es seul, tout ce que tu peux faire, c'est peut-être donner 5 000, 200 000. Ça aide. Mais est-ce qu'il y a un impact? Voilà pourquoi, ensemble, avec le président de l'association Burkinabé de Houston, là, ils ont décidé de faire un geste. Bon, en fait, en réalité, ils ont dit ça concerne tous les Burkinabés des États-Unis. Mais moi, je dis ça concerne tous les Burkinabés de partout. Même ceux qui sont au Burkina. Si tu peux faire, si tu peux donner, il faut donner. Ça fait quoi? Mais si tu donnes 5 francs, c'est pas grave. C'est dans 5 francs, 5 francs, 5 francs. C'est quand tu dis 5 francs, 5 francs que ça atteint 1 million. Imagine-toi, si tout le monde donne 5 francs, 5 francs, 5 francs, ça va faire 1 million. Cash money, young money. Et voilà, ça peut aider quelque part. Donc, s'il vous plaît, regardez en bas là, bon, sur YouTube, dans la description, le lien du GoFundMe est là-bas. Ouvrez votre cœur. Tu es aux États-Unis. 10 dollars, ça ne peut pas te faire ne pas payer ton loyer. Mais pense à ce que tes 10 dollars là vont contribuer à ce que nos soeurs, nos mamans donnent la vie dans de bonnes conditions. Pour que nos enfants, nos petits frères, nos whatever, puissent venir sur cette terre dans de bonnes conditions. Parce que déjà, le combat est rude sur cette terre. Donc, aidons-les à venir et dans de bonnes conditions afin de nous aider. Ok. Bon, parce que, bon, bien vrai qu'on aime la vie, mais la vie, c'est pas facile. Ouvrez vos cœurs. Donnons, donnons, donnons. Il y a une soirée gala qui est prévue et à Houston. Voici l'affiche. Right? Donc, ceux qui peuvent faire le déplacement, bah, allez vous engager. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Suivez ça sur Facebook Live. Moi, je serai normalement de la partie. Voilà, donc, merci beaucoup. Blessings.